Monsieur, bonjour. Toutes nos excuses pour ce désagrément constaté. Est-ce qu'il y aura encore des rivières à Kinshasa d'ici 30 ans? La question mérite d'être posée au regard des constructions anarchiques qui rétrécissent parfois les lits des rivières. Cette question sera approfondie dans un dossier que vous allez suivre dans cette édition magazine des dimanches. Mais d'abord, nous allons prendre l'actualité. Bienvenue à cette édition des dimanches. Madame, Messieurs, débutons ce journal par cette nouvelle d'une bombe qui a été larguée hier samedi vers 17h par les terroristes du M23 en débandade face à la puissance des phares d'essai. Cette bombe est tombée dans le site des déplacés. Il y a Kachaka, au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi. Des dégâts matériels et humains ont été signalés. Et ce matin, vers 5h du matin, une autre bombe a été larguée à Mugunga, toujours par ces mêmes terroristes. Des précisions dans nos prochaines éditions. Et cette info également, un bateau desservant la ville de Kigoma en Tanzanie et Kalemie en République démocratique du Congo a fait naufrage sur le lac Tanganyika. Bilan provisoire, un seul rescapé jusque-là. Le bateau qui transportait les véhicules et autres marchandises n'est pas encore retrouvé. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres survivants. Et le drame a eu lieu à 30 km de Kalemie. L'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Un acte d'engagement global inclusif pour la paix dans les Maïndombe, Kwilu, Pongo, Congo central, mais également ici à Kinshasa, a été signé par les chefs coutumiers de ces provinces. La signature de cet acte d'engagement est intervenue en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et s'aimer la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Aka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant le chef de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Oyo to la bisio bo moko ya ba teke na moyaka ba pesani mbote signe ya paix. Pour le VPM Peter Kazadi, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre ses frères qui ont toujours vécu en paix. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein s'est vouée. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kassai invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les deux communautés en conflit ont présenté chacune son cahier des charges, reprenant les points de convergence et des divergences liées au conflit qui les opposent. S'adressant au chef Teke et Aka, le président de la République s'est dit heureux de cette décision. Il a promis de décorer des médailles de mérite tous les leaders locaux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe oyo ezalaki pe bandeko ba décidé batia bokabwani na bango pembeni basangana na koki kolinga te que moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotaki ekotelaki biso wana. Donc, bozala na kimia, na kosenga na bino banso,
oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange lokote ayebisa ba representant na ngai bazali wana apesa kombo ba ko interpeller moto wana sur le champ soki pe boloko akokota boloko. Sur papier, le conflit entre Teke et Yaka est résolu. Il reste à constater l'effectivité de la coexistence pacifique entre ces peuples frères des provinces du Kwilu, Kwango, Maïndombe, Kinshasa et Congo central. Les activités socio-économiques ont repris normalement dans la localité de Kunda, à 15 km au nord de la ville de Bounia, en territoire d'Irumu. C'est un constat d'une mission mixte administration du territoire d'Irumu, assemblée provinciale dans cette localité longtemps perturbée par des violences armées. Junior Selemani nous en parle dans ce reportage. La vie a repris son cours normal au centre de négoce de Kunda, localité située à 15 km de Bounia. C'est le résultat des efforts de paix imposés dans cette région par l'administration militaire chapeautée par le lieutenant général Lubuya Nkashomajun. Il y a quelques jours, cette agglomération était l'épicentre de groupes armés locaux. Le moment marchand de la place aligne ses retours de la paix. Nous vivons bien comme vous avez constaté. Nous saluons la reprise de ces marchés et votre présence ici. La sécurité est déjà rétablie. Les gens qui souhaitent faire leurs achats peuvent venir au marché Kunda. Les habitants de Chari aussi viennent faire leurs achats et vendent ici. Et l'ambiance est bonne car nous nous côtoyons. Que les gens ne puissent pas avoir peur de venir, car il n'y a rien de danger ici. Le député provincial Isaac Lebisabo, en mission dans cette zone, invite la population locale à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale. Kunda était considéré comme un chat de bataille, mais aujourd'hui, Kunda est devenu un centre très calme, accueillant. Toutes les communautés accèdent sans trop de difficultés et sans problème. La population de l'ouest de la ville de Bounia, je leur appelle seulement à la cohabitation pacifique, à cultiver l'esprit de patriotisme, à ne plus se considérer comme des ennemis, mais voir comme son frère. Quand vous trouvez une communauté sœur, jadis qui était considérée comme un ennemi, mais actuellement ce n'est plus le cas, nous demandons à la cohabitation pacifique et à cultiver l'esprit de la paix et de la cohésion sociale. Précisons que Kunda revêt une importance capitale sur le plan économique. Ce centre ravitaille la ville de Bounia à produits agricoles tels que le cossette de manioc, le légume, les tomates, patates douces et les haricots. La ville de Bounia recouvre son statut d'un vrai centre névralgique sous état de siège. Nous sommes dans la deuxième partie de ce journal magazine qui débute avec les activités réalisées au courant de la semaine qui s'est achevée par le chef de l'État. Sachez qu'au courant de cette semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé un nouveau premier ministre en la personne de Mme Judith Suminwa Tuluka. Et toujours dans la semaine, l'ONEM a organisé sous le haut patronage du chef de l'État la matinée de l'emploi en République démocratique du Congo. La semaine du président, un commentaire de Kibambe. Le suspense a été levé en début de semaine. Au terme d'une ordonnance présidentielle, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé le lundi 1er avril Madame Judith Tuluka Suminwa aux fonctions de Premier ministre chef du gouvernement. Elle a assumé les charges de ministre d'État, ministre du Plan et de coordonnateur adjoint au Conseil présidentiel de veille stratégique avant sa nomination en tant que Premier ministre. Originaire du Congo central, Madame Tuluka est diplômée de l'Université libre de Bruxelles. Elle est la toute première Premier ministre de la République démocratique du Congo. La tâche est grande. Les défis sont immenses. Avec l'appui du président de la République et de tous, on y arrivera, a déclaré Madame le Premier ministre devant la presse. Avant de recevoir le Premier ministre entrant,
Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue. Il s'est tenu sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la matinée de l'emploi organisée à Fleuve Congo Hôtel par l'Office national de l'emploi. La cérémonie d'ouverture de ses assises visant la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo a été présidée par le chef de l'État. Dans son mot de circonstance, le président de la République a relevé toute l'importance de l'événement du jour. L'intérêt particulier que j'accorde à la question de l'emploi justifie à lui seul ma présence en ces lieux, a dit le chef de l'État. Il a réitéré sa détermination de faire de son engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant son quinquennat en cours. Pour la ministre sortante de l'emploi, Claudine Doucy, cet événement découle de la vision du président de la République de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, en accélérant notamment la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Trophée marquant de la semaine, Rudy Sikitutu nous parle entre autres de la fermeture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour crise de légitimité et la libération de la deuxième vague des prisonniers à la prison centrale de Makala. La semaine en 5 minutes. L'actualité de la semaine qui s'achève a été marquée par la nomination d'un Premier ministre, ayant été à la même fonction Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre sortant, a partagé son expérience à sa successeuse Judith Suminwa Tuluka. Au lendemain de sa nomination, la Première ministre a confirmé aux combattants et combattantes de l'UDPS son appartenance à cette formation politique. Les défis qui attend la nouvelle locataire de la primature était exprimé par la population quinoise. Situation sécuritaire dans l'est du pays, un proche de Corneille Nanga est passé aux aveux. Eric Koumba, c'est de lui qu'il s'agit, a dans une déclaration avancé des noms de certains hommes politiques qui sont de mèche avec le mouvement rebelle de Corneille Nanga. Fridolin Cardinal Ambongo, appelé par le ministre sortant de la communication et médias, a clarifié ses propos tenus à la veillée pascale à la cathédrale Notre-Dame du Congo, lesquels propos donnent l'impression qu'il se rallie aux rebelles qui tuent les Congolais dans l'est du pays. Lutte contre les crimes financiers, Azado et ODEP ont dénoncé cette semaine le silence de la justice autour des détournements des fonds au préjudice de la Générale des Carrières et des Mines et du Trésor public. Sous la supervision du procureur général près le parquet de la Cour de cassation, 94 détenus ont retrouvé la liberté. Cette deuxième vague a concerné les détenus du CPRK dont les dossiers étaient éligibles. À l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, cet organe délibérant est fermé pour crise de légitimité. Deux plénières se sont disputées, le local. Les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener le calme. Belle expérience vécue en Ituri grâce à un projet qui vise à augmenter la production des poissons dans le lac Albert. En 8 mois, près de 500 tonnes de tilapia ont été produites. Toujours en Ituri, les victimes des dernières pluies diluviennes vont occuper les 400 logements sociaux construits pour leur réintégration sociale. Entre-temps, ici à Kinshasa, les 1000 maisons en pleine construction pour les victimes des inondations de la commune de Mongafula, les travaux avancent dans les normes, selon les autorités de l'Agence congolaise de promotion immobilière. Annoncé au début de ce journal, quel est l'essor des rivières à Kinshasa d'ici 30 ans? Eh bien, cette question nous conduit à une mini-enquête en ce qui concerne l'envahissement des rivières par des déchets plastiques et les constructions anarchiques qui rétrécissent parfois le lit des rivières. Gaëtan Magalano nous en parle dans ce dossier. Sur la rivière Njili, ces bouteilles en plastique naviguent aisément sur ciseaux.
sans être inquiétés. Au lieu de rencontres, 600 de retrouvailles totales à côté de déchets plastiques dans des eaux captées par la régie des eaux. Les chiens, ils ont la main, ils ont juste là-bas. Soit ce qui m'oula et ça l'inondation, les angouezoya na rivière, soit une rivière Njili. Au boulevard Lumumba, à côté de l'hôpital HJ, c'est une toute autre image de la rivière Mososo. Ici, plastique, sachets et autres ordures ont élu domicile. La rivière disparaît pour laisser la place à la poubelle publique de circonstance. La rivière est aussi devenue une aubaine pour cet homme dont le déchet en plastique représente un fond de démarrage. On ramasse... Vous ramassez quoi? N'importe quel article, quel que soit du bois ou quel que soit des babouches de plastique, pour mieux être à la maison. De l'eau polluée par le feu septique, de ménages qui s'y servent à chaque dame la pluie, de déchets ménagers sont aussi jetés par manque de poubelles publiques. Les gens font leurs besoins, même dans des pots. C'est le matin qu'ils sortent maintenant pour jeter dans la rivière, pour jeter dans des caniveaux, même sur la voie publique en passant. Nous pouvons marcher là-dessus. Des fosses septiques qui sont déjà pleines, et quand il n'y a plus, c'est à ce moment-là qu'ils le dégagent. Vous sentez qu'il y a l'odeur. Cette odeur-là vient de ces déchets-là qu'on jette, de cette matière fécale-là qu'on jette. Si la rivière Kalamu existe encore à côté de cette concession sur l'avenue Bokassa, elle est par contre rétrécie par de constructions anarchiques, son lit envahi par de déchets plastiques. Au départ, Kinshasa était appelé Kinlabel. Et avec la réalité du moment aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kinshasa est Kinlabel. Des constructions anarchiques, aujourd'hui pour construire, l'État ne contrôle pas. Et les gens qui construisent ne tiennent pas compte de ce qu'ils font. Voilà aujourd'hui les conséquences. Des constructions qui envahissent aussi la rivière Kalamu au croisement de l'avenue Kazavubu et Sendwe. Au pont Gabu, ici, la rivière est transformée en caniveau risque péril de ménage. En face de la cité, la rivière est désormais effacée de la carte de la capitale, Kinshasa. La Cour constitutionnelle a rendu les arrêts des dossiers lui adressés en contestation des candidatures au sénatorial. Toutes ces requêtes ont été jugées irrecevables et soit infondées, nous dit Edith Chala dans ce commentaire. Sous la houlette de son président, Dieudonné Kamouli Tabadibanga, la Cour constitutionnelle a siégé vendredi 5 avril 2024 en audience publique pour le prononcé de ses décisions après l'instruction qui s'est tenue vendredi sur le contentieux des candidatures à l'élection des sénateurs, après l'instruction qui a eu lieu jeudi sur le contentieux des candidatures à l'élection sénatoriale. La Cour constitutionnelle a déclaré irrécevable la requête de Jean Didieu Maolo à Maolo contre la CENI. Elle a également rejeté celle de Modeste Moudikilo Bezele, premier suppléant du candidat Marcel Tabeng Bengo contre la CENI pour défaut de qualité. Les juges ont déclaré non fondées les requêtes de Makilongo, le candidat indépendant contre la liste du regroupement politique Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que celle de Joseph Nanga Ilunga, le candidat indépendant contre Jean Bakomi Tongambou, lui aussi candidat indépendant. Alors que les requêtes du regroupement Action des Alliés 1A-A contre la CENI et celle du mouvement de libération du Congo contre Léon Mondolé et Zoli Banza, candidats indépendants, ont été déclarés irrécevables, autant que celle d'Augustin Mazinga Simanzondo, candidat au sénatorial de la province du Kwilu contre la CENI. Le contentieux devant la Cour constitutionnelle fait suite à la publication de la liste provisoire par la Commission électorale nationale indépendante le 28 mars dernier. Les arrêts de la Cour constitutionnelle n'étant susceptibles d'aucun recours, il ne reste plus que les dispositifs des 10 arrêts soient notifiés à la Commission électorale nationale indépendante. Il reviendra ainsi à cette dernière de procéder à la publication de la liste définitive des candidats sénateurs dans le délai prévu par son calendrier.
Justice toujours, des recherches ont été menées en droit congolais. Son auteur Hippolyte Massani est haut magistrat de la République à analyser les contrôles exercés par les juridictions de cassation en droit positif congolais. Et en conclusion, il propose la modification de certaines lois ou d'en créer d'autres carrément. Des explications avec Betty Amani. Le corps académique de l'Université de Kinshasa s'est enrichi d'un nouveau docteur. Hippolyte Massani Machi a soutenu sa thèse intitulée « Analyse des contrôles exercés par les juridictions des cassations en droit positif congolais et son sort avec une grande distinction ». Dirigée par le promoteur, le professeur Lutumba Walutumba Prince, cette thèse se résume dans l'effort du récipiendaire d'améliorer les procédures en codifiant les techniques de cassation et en formation de juges. Il est appelé à évoquer, c'est le cas de la CCJA. Et donc, quand il évoque, il devient le juge de fond. Tout cela sont des problèmes que le récipiendaire a rencontrés et il a fait des propositions d'amélioration qui passent notamment par la formation des juges de cassation, la codification des techniques de cassation pour rendre tant soit peu cette justice accessible à nos compatriotes. Et la Cour commune de justice et d'arbitrage, passant par les conseils d'État jusqu'à la Cour de cassation, Hippolyte Massani Machi a apporté sa contribution à la science en s'intéressant à cette matière plus fournie en doctrine et moins légiférée. Il faut modifier certaines lois pour créer des lois là où il n'y en a pas. Depuis 1969, on avait créé la Cour suprême de justice. La loi de 2016 qui a créé le Conseil d'État et effectivement celle de 1993 qui a créé l'OADA. Il n'a pas été fait des recherches de ce genre, regard croisé entre juridictions de cassation. Ces productions scientifiques font progresser les connaissances du droit au sommet des juridictions et permettent aux praticiens du droit d'avoir un même fil conducteur dans la démarche de règlement des litiges. Des bus pour faciliter le déplacement des agents et cadres du secrétariat aux mines, ils ont été achetés par la ministre des Mines, un reportage de Christine Linzo. C'est un geste très salutaire qui a été posé par la ministre des tutelles à l'endroit des agents et cadres du secrétariat général aux mines. C'est au cours d'une cérémonie que trois bus des marques Tata ont été présentés pour compléter les charrois automobiles et assurer les déplacements du personnel du service à la maison et vice-versa. C'est le directeur du cabinet de la ministre Antoinette Samba Kalambay qui a remis les clés de ces bus au secrétaire général aux Jacques Ramazani Lutuba. Nous avons remis le bis aux agents et cadres de l'administration des mines pour qu'ils travaillent encore dans de très bonnes conditions. Nous pensons, au nom de son Excellence, Madame la Ministre des Mines, que c'est dans ces conditions qu'elle matérialise la vision du Président de la République, chef de l'État, qui veut à ce que les administrations soient efficaces. Les représentants des Panafric Motors, honorés par les choix portés sur leurs véhicules, a promis un accompagnement de qualité pour leur maintenance. Tout en recevant ces bus, le secrétaire général aux mines a exprimé sa joie avant d'appeler tous les travailleurs à bien les conserver. Son Excellence, Madame la Ministre des Mines, a par ce geste tenu à accompagner Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, qui lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024 avait déclaré dans le sixième objectif de son nouveau quinquennat qu'il y a nécessité de renforcer l'efficacité des services publics de l'État. La joie s'est lisée aux yeux de la délégation syndicale comme chez tous les travailleurs car les moyens de transport contribuent à l'efficacité des travailleurs à être à temps et ponctuels au service. Politique, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS était en matinée scientifique le jeudi dernier pour échanger sur la problématique de l'industrialisation en République démocratique du Congo. Alain Mbikaï nous en parle dans ce reportage. Ils se sont encore retrouvés pour débattre sur la question de l'industrialisation de la RDC, les opportunités, les défis. Pour cerner cette question, l'écho de l'élite scientifique de l'IDPS a fait appel au professeur Élisée Mbuyamba Ilunga, expert en génie informatique et télécommunications, qui s'est penché sur les défis à relever dans certains secteurs de la vie nationale. Pour le secrétaire général académique de l'ISANDOLO et cadre de l'IDPS, la croissance économique de la RDC dépend de son taux d'industrialisation. Dans l'industrialisation, il y a des défis à relever qui
sont dans différents secteurs. Nous avons épinglé les secteurs de l'énergie, les secteurs des infrastructures, les secteurs de la sécurité, le secteur de la main-d'œuvre qualifiée qui est importante pour pouvoir soutenir le processus d'industrialisation de la RDC. En industrialisant le pays, ça veut dire que nous allons créer plus d'industries, nous allons créer plus d'emplois et c'est quand même la vision du président de la République, créer plus d'emplois pour les Congolais. Et cela va permettre de pouvoir répondre au marché intérieur. Pour le professeur Jean-Marie Béa, vice-doyen de la faculté polytechnique de l'INEKIN, la science au service du peuple reste le cheval de bataille de cette structure technique de l'IDPS. S'en est suivi un débat riche en échanges entre ces têtes bien faites de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Sport pour terminer, c'est dans le dernier quart d'heure du match que le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a arraché hier samedi à Luanda en Angola la victoire sur la note des 2-1 devant les Petro Atletico. Les buts des Mazembe ont été marqués par Philippe Kinzumbi à la 82e minute et Joël Beya. Au bout du temps additionnel, ce succès permet au Corbeau de Lubumbashi de renouer avec les demi-finales de la prestigieuse Coupe Interclub de la CAF. Le tout-puissant Mazembe affrontera donc en demi-finale les Égyptiens du National Al Ahly du Caire. La manche allée est à suivre déjà le 19 avril prochain. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal de Fifi Mukundi au nom de Yolande Vaux. Car Ramadan Poki et Anno Mouti, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.